Bonjour tout le monde, c'est le matin, je me prépare avec vous. Je mets 15 minutes en général pour être prête. C'est une routine d'été. N'hésitez pas à me dire vous, combien de temps vous mettez le matin. Comme c'est l'été, bah écoutez, je lutte contre les capitons. Je commence dès la douche avec une huile minceur de chez Pure Essential que je trouve super agréable à utiliser. Je suis sortie de la douche et je vais appliquer une crème clériale de chez SVR sous ma crème de jour pour effacer les marques, les taches brunes. Alors, je cible les boutons d'acné, vous savez qu'on fait des marques moches, comme je n'ai pas de fond de teint ou de crème teintée, ben on y voit. C'est pas la mort, mais c'est pas très joli. Donc ça me permet de les effacer. Pareil pour le masque de grossesse. Malgré une super protection solaire pour le de grossesse, j'ai fait des petites taches, ça va être comme ça. Donc je les efface. Cette crème, elle est magique. Elle marche sur tout type de peau, taches de vieillissement, toutes les taches. Je passe au relais palpé, ça me prend 6 minutes et déjà en 10 minutes, j'ai vu un résultat. Tous les produits que je vous présente derrière, je vous les glisse dans les informations, n'hésitez pas à aller voir. Donc ça, c'est le coffret de ce cure essentiel qui comprend une ventouse et deux sprays. Spray et huile essentielle, diluée huile essentielle. 6 minutes, je fais 2 minutes par cuisse, 1 minute par fesse. Et voilà, en 10 jours, je vous dis, j'ai vu une différence. Cellulite moins visible, les jambes galbées, affinées. J'applique mon sérum anti-ride de chez Skin Enhance qui agit comme le venin de serpent avec sa crème. Il est à base de peptides. Alors, le sérum lui apporte énormément d'éclat. Il se met sous la crème de jour. Il s'applique facilement, rapidement. Il sèche. Hop, on met la crème. Et la crème, je l'adore. Elles sont super bonnes. Et je l'en mets le jour et la nuit pour tout vous dire. Ces deux soins sont des très bons anti-rides qui me permettent d'agir contre les rides du vieillissement et les rides d'expression, vous savez, de mimique. Déodorant Vichy, donc Julia. Et puis place au maquillage. Alors je mets une poudre libre légère de chez Boho, j'ai découvert grâce à la Beauty Holder. Elle est pas mal, elle me permet de ne pas briller, elle tient toute la journée. Je mets pas de produit couvrant, c'est pour ça, comme je vous disais, j'essaye de retirer ces marques avec la crème de chez SVR pour avoir une peau plus nickel. Sur le menton, je vois déjà la différence. Mon bronzer, de chez The Balm, c'est vraiment mon bronzer préféré. J'en ai d'autres, mais je reviens toujours à celui-ci. Il n'y a pas de sous-ton orange dedans et il est calme. Je devrais en avoir qu'un seul, ça serait celui-ci. Pourtant, il y a des marques plus chic hein, que The Balm, mais il est vraiment parfait. Et place à la touche de blush qui apporte le petit côté bonne mine. J'ai choisi le pêche et comme il est très pigmenté, j'ai soufflé avant sur mon pinceau. Je vais m'attaquer aux yeux. Je vais presser un trait liner avec cet eyeliner de chez couleur caramel qui a une signature. Il est un peu plombé en fait au niveau du pinceau, donc il est agréable à utiliser. Il n'est pas trop léger en fait. Dessine facilement son trait liner sans s'en mettre partout. J'ai un œil qui me fait mal, c'est celui que je suis en train de dessiner. Du coup, quand je vais mettre mon mascara, je vais pas utiliser de recours de cils. Je vais mettre mon mascara tout seul. Donc en ce moment, je suis sur ce mascara chez Sephora, que je trouve très très bien. Il est bien noir, il apporte du volume, mais juste comme il faut. C'est un bon mascara. J'ai profité d'avoir les cheveux attachés pour me parfumer, pour pas mettre de parfum sur mes cheveux, parce qu'il y a de l'alcool et ça a tendance quand même à assécher. Et j'hésite entre deux rouges à lèvres, mais je pars sur celui de chez Mix, qui est un vieux rouge, juste comme il faut, qui ira avec ma tenue de la journée. Je peux mettre un petit peu de poudre rouge sur les yeux, mais j'ai tendance à briller. Et maintenant, la touche d'œil à la hauteur. Toujours couleur caramel, alors celui-ci j'aime bien parce qu'en fait il est crémeux et ça me permet de ne pas en mettre partout, vous savez quand on passe le t-shirt et tout, il reste bien en place. C'est un fard crémeux très chouette et c'est une couleur champagne, juste comme il faut. Mes cheveux, il y a un reste de volume, du coup je vais pas faire, je vais rien faire en fait, je les brosse avec les mains. En général, c'est ce que je fais pour éviter de les casser, je suis pas fan de la brosse. Avec les mains, et puis je vais appliquer l'huile, le sérum que vous voyez à côté chez Géonique, qui n'est pas gras, qui a un effet sec, qui permet de l'humourer, qui sent bon, qui est vraiment bien. C'est un super sérum pour finition de brushing si vous en faites. Je fais plein de choses à la fin. Mes cheveux, je les rends plus forts avec les capsules de chez Pure Essentiel. Mon lit, je le fais pas l'été. Je laisse mon lit s'aérer, donc en fait, je mets la tête dans l'autre sens. C'est pas vu, mais je fais pas mon lit l'été.
J'ai enfilé une jupe de chez Yves Saint Laurent, c'est une jupe de ma maman, un t-shirt de chez Lévis et puis une paire de chaussures qui me permet de marcher vite avec mes enfants, la poussette, le chien. Pas de marque, cette fois-ci. J'ai plein de chaussures, des marques, pas de marque. Principal, c'est d'être bien, surtout l'été quand on est mi-pied dedans. Voilà, c'est fini. Je me suis préparée à aller vieux en exactement 15 minutes. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un